Je vais vous montrer un peu où on est. Ce qui est sympa, c'est que ça fait un peu comme une auberge jeunesse. Donc il y a plein de petites salles, plein de petites cuisines. Il y a même une terrasse. Donc je vous montre tout ça. Après des péripéties parce qu'en fait on avait acheté hier soir donc le pass Lisboa card pour 2 jours, sauf qu'en fait avec un seul QR code on peut rien faire. Il fallait qu'à l'office touriste on nous échange le QR code sur IDK et c'était compliqué, donc il a fallu attendre 10 heures à Belém. Donc après on a pris un bus, sauf qu'aujourd'hui il y a une cérémonie d'un duc qui est là, donc on nous a déposé un peu nulle part, il a fallu qu'on attende un autre bus. Et là, ça y est, on va commencer enfin les visites. Donc là, on est avec le musée national de l'Azurello. C'est parti. Donc là on a mangé très rapidement, on a été chercher des sandwichs à Lidl, il y avait un Lidl à côté donc on a fait simple. Et là on continue les visites, là on va voir le Panthéon National. On vient de sortir du Panthéon, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, très agréablement surpris, parce qu'au départ bon, on pensait que c'était un Panthéon avec des cercueils et des personnalités célèbres, mais bon, qu'on ne connaissait pas trop parce qu'on est au Portugal. C'est ça. Et en fait, on monte tout en haut, il y a un point de vue sur tout Lisbonne qui est absolument incroyable, donc vraiment... C'est à faire. C'est vraiment à faire, ouais. Surtout pour faire de belles photos et puis pour avoir un joli point de vue sur la ville, à faire. Et maintenant, direction le jardin botanique, donc on va reprendre un bus et là on va aller presque en centre-ville. C'est un petit peu au-dessus du centre-ville. C'est parti! On est sorti du métro, là on va aller direction le jardin botanique.
On a eu de la chance sur le métro. On l'a trouvé grâce à des Portugais. Je suis juste trop contente, je m'attendais pas du tout à un jardin botanique comme ça. J'avais vu quelques photos, mais honnêtement, déjà il est très grand. Et il est tout encerclé, on peut pas le voir de l'extérieur. Magnifique, honnêtement, très belle découverte à Lisbonne.